une vidéo qui mixe un discours avec des images de toutes sortes pour les faire dialoguer entre elles. Et il va s'agir ici de films de genre, surtout des films de fantômes. Comment se fait-il que depuis les années 80, dans beaucoup de films fantastiques, les fantômes utilisent la technologie vidéo pour apparaître ? Par le téléviseur, la caméra, la cassette VHS. On va donc voir pourquoi l'image électronique peut manifester des spectres. Et en deuxième temps, en sous-texte, ces films explorent aussi d'autres questions. On peut y voir une autre vision, une vision méta. En fait, ces films parlent du cinéma lui-même. Avec la figure du fantôme, les cinéastes réfléchissent au passage de l'analogique au numérique, de l'image chimique à l'image électronique. Ils expérimentent les puissances du cinéma à travers tous ces dispositifs. La caméra, l'écran, l'image, le montage. Et ils posent deux questions. Est-ce que le numérique change l'écriture filmique ? Est-ce que la technologie influence l'expérience du spectateur ? On va donc analyser au microscope ces films pour comprendre la mutation du cinéma en vidéo. On a souvent décrit l'image cinéma comme une image spectrale parce que fatalement elle était faite de lumière. Mais on va voir en quoi l'image vidéo est d'autant plus spectrale que celle du cinéma. Parce que si l'écran de cinéma renvoie la lumière, finalement c'est une perception comme on a l'habitude de voir le monde, hein, c'est-à-dire en lumière réfléchie sur les objets. L'écran de cinéma réfléchit la lumière de la même façon. Ce qui différencie l'image électronique, c'est que vous avez pu le voir avec ce petit tube cathodique posé sur la scène. La machine vidéo, l'image vidéo est une image machine, comme dit Dominique Paini, et elle émet sa propre lueur, de même que le fantôme. Alors très tôt, dès les années 50, quand la télévision a envahi les foyers, le cinéma a tout de suite vu une concurrence de la part de cette technologie et a immédiatement inclus cette technologie dans ses fictions. Quelques films à partir des années 80 cette fois-ci qui réfléchissent à cette question. Le premier film étant Poltergeist de Tobe Hooper en 1982, dont la première image dont le film s'ouvre comme ceci. Donc par une image de télévision. Poltergeist, pour ceux qui ne connaissent pas, raconte l'histoire d'une famille qui s'est établie dans une nouvelle maison et dont la fille va entrer en communication avec des spectres par le biais de la télévision et notamment de la neige. Quand la télévision n'a pas d'antenne branchée, elle émet un signal, le tube cathodique balaye continuellement de façon erratique et donc provoque cette ultra-visibilité de points, puisque le tube balaye par points. Petite explication comment fonctionne un tube cathodique. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez un canon électron qui se situe à l'arrière et qui va balayer de façon constante, comme on vient de le voir, des électrons sur la surface de l'écran qui est une vitre enduite de phosphore, donc qui réagit aux électrons en produisant, il est électroluminescent, donc il produit sa propre lumière. Donc on voit qu'une image vidéo en fait n'est pas une image pleine, elle est composée de lignes, c'est décomposé et recomposé par le tube cathodique, composée de lignes, et donc ce qui fait qu'il n'y a jamais d'image véritablement pleine en vidéo, et c'est même doublement jamais, puisque le tube cathodique en fait ne retranscrit que la moitié des lignes et pulse l'autre moitié de façon intermittente, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une trame. Il y a deux trames vidéo entrelacées, ce qui signifie que vous n'avez en vidéo jamais d'image pleine, et donc ce qui signifie qu'en vidéo, ce que vous voyez est une illusion d'optique.
comme disait Philippe Dubois, un théoricien du cinéma, l'image cinéma, la plus petite définition, quand on va au minimal de l'image cinéma, c'est encore une image, c'est le photogramme. En vidéo, il n'y a rien. Il n'y a pas d'image minimale. La vidéo n'est qu'un signal et même un processus. Elle est toujours en train de se faire et de se défaire, hein, de se construire et de se déconstruire, comme vous voyez ici. Il y a toujours une image qui se fait et se défait en processus constant. Il n'y a jamais d'image pleine et c'est une illusion d'optique, ce qui interroge bien sûr la perception. Et ça va être aussi une des questions abordées par tous ces films qu'on va voir aujourd'hui, c'est la question de ce que la phénoménologie appelle la perception artificielle qu'induisent ces médias. Extrait de neige que j'ai refilmé. Alors c'est évidemment traduit et transcrit en numérique, hein, puisque c'est une technologie analogique. Alors voici ce que nous dit Françoise Parfait, théoricienne de l'art vidéo, à propos de cette neige. Cette neige électronique, véritable matrice vibratile, potentiellement pleine de toutes les images du monde, figure un état primitif de l'image, un état de celle-ci avant sa réalisation en tant qu'apparence. Donc un état primitif de l'image, on se doute bien pourquoi. On peut même remonter aux cavernes, bien avant les mains rupestres, on avait des points dont on ignore la signification. Mais le principe de base, je le redis, de l'image cathodique, c'est de balayer des points à une vitesse telle que votre œil ne le perçoit pas. Donc un état primitif de l'image, avant sa réalisation en tant qu'apparence, est potentiellement pleine de toutes les images du monde, parce que effectivement, déjà pour ce qui est de la télévision, du moniteur vidéo, avec ce point-là, potentiellement, il peut faire toutes les images du monde. Et puis parce que, regardez cet écran pendant un temps indéfini, vous allez avoir des hallucinations et pouvoir voir à l'intérieur de cette neige des formes, des figures qui se présentent à votre perception. Et donc, on peut tout voir à l'intérieur de cette neige. Alors, c'est une figure de style qui a été utilisée dans tous les films qu'on va voir aujourd'hui. Vous allez voir que c'est une figure récurrente. Le début de Poltergeist commence ainsi, et ce qu'on peut observer immédiatement, c'est que, premièrement, le sujet qui regarde la télévision dort. Et ça, on va y revenir, c'est une critique des médias technologiques, puisque c'est aussi ce qu'on va aborder aujourd'hui. Penser ce que produisent comme effet sur le corps, l'esprit du spectateur, les objets techniques que sont la vidéo et le cinéma. Ce qu'on observe, c'est que le sujet dort devant une image de télévision et puis que le corps du sujet est baigné dans une sorte de halo, ce qui fait que le spectateur est littéralement immergé dans un halo amniotique de lumière produit par la machine vidéo. Ce qui est intéressant, c'est le rapport que le fantôme va entretenir avec la notion de trace, on va le voir tout de suite. Est un film de la fin du XXe siècle qui donc reprend cette figure de la neige cathodique. L'histoire, donc, c'est un fantôme, une fille qui avait des pouvoirs maléfiques et qui a été jetée vivante dans un puits et qui revient hanter les contemporains par le biais de cassettes vidéo sur laquelle elle a enregistré des traces, donc des images. Ceux qui regardent la cassette vidéo reçoivent immédiatement un coup de téléphone qui leur annonce 7 jours et 7 jours après, ils meurent. Alors pourquoi le téléphone ? En réalité, c'est très simple, en réalité, le téléphone est l'ancêtre de la vidéo. Je le disais, la vidéo, c'est une technologie de transmission de l'image
Et au fond, c'est ce que nous rappelle Bill Viola, si on regarde de manière phylogénétique, la vidéo a plus à voir avec le micro qu'avec le cinéma, puisque un micro, ça transforme des ondes sonores en impulsions électriques. Et c'est exactement ce que fait une caméra vidéo, ça transforme des ondes lumineuses en impulsions électriques qui vont ensuite être transformées en signal et transmises au tube cathodique. Et donc, au fond, la vidéo, l'ancêtre de la vidéo, c'est le téléphone et le fax à la fin du 19e siècle. Les premières expérimentations de transmission des images, d'abord sur cire et ensuite grâce à une technologie proche du télégraphe, le bélinographe, en se branchant sur les lignes téléphoniques, pouvait transmettre une image. Donc le fax est une sorte d'ancêtre de la vidéo. Et c'est pourquoi Hideo Nakata reprend cette idée dans sa fiction. Ici, le générique nous présente l'eau et l'écume, puisque vous pourrez vous apercevoir qu'il y a quand même une correspondance, une analogie visuelle entre l'écume et la neige vidéo. Et d'ailleurs, le fondu qui se fait entre le générique et le film se fait par l'intermédiaire de la neige, entre la mer, l'écume de la mer et la neige. Et la vidéo a été souvent comparée à l'eau, puisque, comme la terminologie nous l'indique, le signal vidéo est un flux. C'est un continuum constamment en mouvement et insaisissable. Donc voilà la transition qui fait que le film s'ouvre encore, lui, comme Poltergeist, sur une image de télévision en dézoom. Et donc l'héroïne, ayant vu la cassette vidéo, cherche une solution pour rompre la malédiction. Et elle se rend compte qu'en prenant des photos d'elle-même, les personnes qui ont vu la cassette ne sont plus visibles sur les photos. Et ça, c'est quelque chose qui nous renvoie aussi à une archéologie de ces médias-là, qui est donc au XIXe siècle, l'invention de la photo et l'utilisation de la photographie comme moyen pour enregistrer les apparitions de fantômes. Ce qu'on a appelé la photographie spirit, qui a été énormément en vogue à la fin du XIXe siècle, puisque la société entière était... pour la plupart spiritistes, c'est-à-dire qu'on avait des grands scientifiques, philosophes, psychologues qui s'adonnaient au spiritisme et cherchaient donc des preuves, des manifestations de l'au-delà. La photo a donc été utilisée naturellement comme un moyen de rendre compte de ça, puisque la photo est née d'une utopie, hein, c'est-à-dire le 19e siècle, c'est la révolution industrielle, donc l'industrie avait besoin d'une mécanique pour enregistrer des images de façon neutre, puisque le corps humain était considéré comme faillible, il fallait... production d'images qui soit infaillible et neutre. Et la question s'est très vite posée, puisque la photo peut enregistrer le visible, est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi de même enregistrer l'invisible? Et donc il y a eu tout un courant de photographie qu'on a appelé spirit, qui, durant des expériences de spiritisme, s'attachait à essayer d'enregistrer ces expériences. On a même beaucoup de littérature de scientifiques, de psychologie expérimentale, qui racontent comment ils ont... pu enregistrer ces photos et même toucher les fantômes, entrer en contact avec eux, etc. Le deuxième courant spirit était la photo fluidique, c'est-à-dire la possibilité pour l'appareil photo d'enregistrer des fluides qui émanent de corps. Et ça nous renvoie à des croyances dans la vision qu'avaient les hommes de l'Antiquité de l'optique. On pensait qu'on pouvait voir le monde parce que ce sont les objets qui envoient des rayons lumineux. Et donc, cette théorie des simulacra émettait l'hypothèse que donc, chaque corps émettait des petites particules que l'œil pouvait percevoir. Et cet imaginaire-là remontait jusqu'au XIXe siècle, puisque Balzac, qui se fait photographier, disait sentir les particules de son corps sortir de son corps pour aller se poser sur l'objectif. Ring reprend cette idée-là, c'est-à-dire que la cassette vidéo vierge a pu être impressionné par le fantôme, par les fluides du fantôme. Donc une cassette vidéo à l'époque, c'est une bande magnétique sur laquelle il y a de la limaille de fer qui est organisée magnétiquement par l'enregistreur, qui donc organise les particules, et les particules ayant une propriété de rémanence, c'est-à-dire qu'elles restent à l'endroit où elles ont été fixées, on peut relire la cassette et revoir les mêmes images, et donc on peut tout à fait imaginer dans Ring l'explication suivante, que le fantôme a pu par ses pouvoirs fluidiques organiser les particules d'une cassette vidéo. Donc vous avez pu voir les nombreuses apparitions de la neige cathodique. Encore une fois, ce qu'on observe souvent à travers tout le film, c'est cette esthétique de la neige, et rappelée en analogie par différentes figures, comme ici où c'est le bruit visuel de la pluie qui reprend le bruit visuel erratique des points de la neige, et donc qui brouille la visibilité.
Alors les deux héros tentent d'analyser la cassette. Voici les images qui sont dessus. Donc le personnage représenté est dos à la mer. La mer, encore une fois, se confond, cette fois-ci non pas avec la neige, mais avec les stries. Ça, ces stries-là, c'était à l'époque de la bande magnétique, quand vous reculiez, avanciez, avance rapide ou retour, ça déformait la tête de lecture, déformait la bande, et de façon mécanique, lui tirait dessus, voilà. Et donc ça produisait à l'écran ces stries qui sont aussi une possibilité plastique, de picturale, de jouer avec d'une part le bruit et d'autre part le mouvement. On peut voir tout au long du film, encore une fois, vous voyez le cadre de l'écran cathodique qui est repris ponctuellement avec l'image bruitée de la neige, ici par le vent qui fait bouger les éléments. Et puis bon, vous observez encore que le téléphone est aussi présent dans l'image. Et enfin ici, si vous voyez l'écran cathodique, il est repris par la fenêtre. Ils sont sur un bateau, donc le cadre bouge. Perception instable, donc, qui reprend la perception instable de la neige vidéo, figurée encore une fois par le cadre ici, derrière, rétroéclairé par l'orage de la pluie qui bat sur la fenêtre. Un autre film, toujours japonais, de Kiyoshi Kurosawa, Kairo, qui évoque les mêmes images. Ça, c'est l'introduction du film, et vous voyez que, comme Ring, nous avons, première image, un écran, un tube cathodique d'ordinateur, cette fois-ci, bruité numériquement, cette fois-ci, par des drops numériques, l'image saute. Et l'image qui suit, en cut, immédiatement après, c'est une femme donc, qui appelle son ami qui a disparu. Donc on est dans la chambre de l'ami, on voit ses ordinateurs, et par-dessus l'image des ordinateurs, nous avons le son du téléphone. L'image est aussi coupée en deux par une bâche plastique. Cette figure de la bâche plastique, elle va être présente tout au long du film, puisque en fait, les personnages principaux travaillent dans une serre, où il y a énormément de plantes sous bâche. Et nous avons le motif de l'écran qui est repris constamment par ces petits carrés, d'une part, puisque nous avons partout à l'écran des petits carrés, et par la figure de la bâche, donc qui est quelque chose qui est du même ordre que la télévision et le fantôme, c'est-à-dire que ça produit une visibilité et en même temps empêche une visibilité, brouille une visibilité, comme l'image vidéo est une image brouillée, la bâche permet de à la fois cacher et montrer. Donc la femme enquête et va chez son ami pour essayer de trouver des indices. Kiyoshi Kurosawa joue justement de cette visibilité occultée par le voile de la bâche. Voile de la bâche qui lui-même figure évidemment le voile, la visibilité, la presque non-visibilité du fantôme. Et donc les héros qui sont face à une épidémie de fantômes, c'est-à-dire que des gens meurent et des gens disparaissent soudainement. Les protagonistes enquêtent. Et donc on voit bien que c'est l'analyse d'image qui permet à tous ces films d'avancer dans la narration, dans l'enquête, ce qui met en abîme de façon évidente le processus du cinéma. Et on peut voir dans l'écran sur lequel zooment les protagonistes que en fait c'est la même image. De l'écran est retransmise de façon identique à l'intérieur même de l'écran. C'est une double mise en abîme qui est aussi propre à la vidéo. C'est une figure technique qui s'appelle le Larsen vidéo, le feedback, toute simple, qui consiste à prendre une caméra et la brancher sur un écran et refilmer l'écran lui-même, ce qui fait apparaître une infinité d'écrans. Ce que peut faire la technologie vidéo, puisque, encore une fois, c'est une technologie de transmission en direct, instantanée, de l'image.
Alors vous voyez que des bâches, il y en a partout, et encore tous ces petits carrés, y compris des grilles qui nous empêchent de voir la ville à l'extérieur, et donc le cadre produit une visibilité possible, une transparence des vitres ici, une transparence de la grille ici, une transparence de la bâche ici. Le cadre qui produit une visibilité produit toujours une visibilité qui est empêchée, qui est déformée, altérée. Et la télévision est évidemment un instrument de décor qui se retrouve partout. La possibilité plastique de l'image vidéo, puisque c'est un processus et que je vous disais ce sont des demi-trames, ici, ça, tout simplement, Kurosawa joue sur cette possibilité plastique qu'a la vidéo de mélanger ou ne pas mélanger les trames, ou de rester fixé sur une trame et ne pas faire apparaître la seconde, et donc coupe la tête littéralement du présentateur ici. Et donc c'est une possibilité de technique qui est assez simple, dont se sont tout le temps servis les premiers artistes vidéo des années 60-70 qui altéraient le signal lui-même. Alors la figure, encore une fois, de l'écran de télévision, cadré par un cadre et saturé de lignes, et évidemment reprise comme chez Hideo Nakata, Ring, et reprise par Kurosawa tout au long du film. Donc ici, vous aurez reconnu l'écran de télévision dont les lignes sont figurées par le store. Et puis, il y a des objets qui tombent, comme souvent dans les histoires de Poltergeist. Il y a beaucoup d'objets qui tombent. Encore ici. Et vous voyez que le héros va rencontrer une informaticienne et enquêter avec elle. Et le laboratoire de l'informaticienne est aussi rempli de fils et de cadres et de grilles et d'étagères qui reforment des cadres de façon très organique. Donc tout est pas très organisé pour un laboratoire. Il y a énormément de câblages, etc., qui reprennent l'idée d'une organicité des technologies qu'on retrouve, qu'on avait déjà dans Vidéodrome de Cronenberg. Donc la chambre où s'est suicidé le premier protagoniste, où en lieu et place de son cadavre est une trace sur le mur. Encore non pas une bâche cette fois-ci, mais un voile, mais encore cette visibilité à demi empêchée par un artifice. La trace dont on pouvait croire que c'était simplement une conséquence du fantôme, on commence à comprendre que la trace est bien plus que cela. Alors d'une part, dans le film, il y a plusieurs apparitions de fantômes qui sont des ombres, qui se présentent devant le personnage. Et donc ça nous intéresse parce que le rapport à l'ombre est complexe. C'est-à-dire que la trace sur le mur, c'est comme une ombre en fait au final. Mais une ombre sans corps. Ce qu'est finalement le fantôme.
le fantôme, c'est une apparition sans corps. Et donc, la trace sur le mur renvoie à ça. Ici, la trace devient un corps, puisque ce sont des particules qui se désagrègent et qui s'envolent. Et finalement, le fantôme nous permet de penser la trace d'une autre façon, puisque le fantôme, c'est une présence au présent et une trace. C'est-à-dire que c'était un corps auparavant qui est au passé, et pourtant, nous le voyons au présent. Donc c'est à la fois une présence et une trace. Donc le fantôme est une apparition mémoire, ce qui nous renvoie au cinéma. Déjà parce que le cinéma, un des ancêtres du cinéma est l'ombre chinoise, et ensuite c'est parce que le cinéma reproduit des présences de gens qui sont pour la plupart morts, hein. Tous les acteurs du début du siècle sont morts, et pourtant nous avons encore leur présence lorsque nous voyons un film. Et Kurosawa interroge cette trace possible par le cinéma d'une autre façon, puisqu'il interroge l'image vidéo, électronique et numérique, au passage au numérique, hein, c'est-à-dire qu'on est au début du 21e siècle, c'est là où le cinéma est certain qu'il va devenir numérique. Tout le monde le sait depuis les années 70-80, mais au début des années 2000, c'est quasiment déjà fait. Donc les cinéastes s'emparent de cette question, et ils nous posent la question de la même façon qu'avait fait Mamoru Oshii dans Avalon, où, pour ceux qui l'ont vu, les personnages à l'écran, quand ils sont tués, disparaissent en poussière, en petites particules fines qui s'envolent dans les airs. Et Marion Poisson-Deschaune, dans un article dans l'ouvrage « Le cinéma et après ?», nous donnait une piste pour penser cette image de corps qui partait en particules. Nous indiquait que c'est ici une façon de décrire, de questionner l'image numérique qui n'a pas de matière première, qui n'a pas de support, de corps donc, et qui n'est que poussière. Elle parlait donc d'une pulvérilance des images. Pulvérilance, donc la poussière, qui vient de la poussière. Puisque comme la poussière, l'image numérique, hein, la poussière, je peux produire une trace, mais je souffle dessus et cette trace... n'est pas une trace tangible et persistante. Donc le paradoxe d'une trace qui est non persistante, qu'on retrouve ici chez Kurosawa. Ça, c'est le propre même de l'image vidéo, parce que c'est une rémanence naturelle de l'écran, parfois, de produire ce genre d'image. Ce que je le disais, c'est une surface... une vitre enduite de phosphore qui produit en réaction aux électrons une luminosité, une lueur qui continue, c'est une perduration, une rémanence qui continue à émettre sa propre lumière. Voilà, alors le propos de Kurosawa est double, à part réfléchir à l'image vidéo, c'est aussi de notre usage de ces nouveaux types d'images, notamment avec ici l'apparition d'Internet, puisque les fantômes apparaissent sur le réseau Internet. Et ce que dit la protagoniste, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui distingue ces gens qui s'enferment chez eux derrière leur écran pour parler à d'autres gens à l'autre bout de la Terre? Qu'est-ce qui les distingue des fantômes, puisqu'au fond, ils ne vivent que dans un monde virtuel, et puisqu'ils sont à proprement parler littéralement des esprits purs, quand je parle via un chat à un individu, c'est mon esprit qui navigue et qui lui transmet des informations. Évidemment, il n'y a pas mon corps. Et donc, qu'est-ce qui distingue ces gens-là des fantômes? C'est la question que pose Kurosawa à travers ce film. Donc, on voit que la vidéo, par son usage... elle interroge la question du fantôme, et par sa nature, et par sa nature technologique même, elle est proche du fantôme, puisqu'elle est d'abord par le tube cathodique, qui est une vitre, elle produit des reflets, dont Ring et Cairo jouent énormément, hein, des reflets dans la vitre. Elle produit sa propre lueur, contrairement au cinéma. La trame produit des illusions d'optique qui font que je crois voir une image et un corps, image, alors qu'il n'y a jamais rien d'autre qu'une pulsation erratique de points, de lignes, et encore de demi-lignes qui sont entrelacées, donc jamais d'image pleine. Et la neige qu'elle produit quand elle ne reçoit pas de signal induit des hallucinations et peut être interférée par d'autres champs qui font que, potentiellement peut-être, qui sait, parmi ces interférences se manifeste un fantôme. En
en réalité, c'est pas pour rien que cet imaginaire-là naît au XIXe siècle. C'est le théoricien Jeffrey Skontz dans Haunted Media qui en parle largement. Il a montré comment l'invention des médias électroniques a accompagné, a modifié le mode d'apparition des fantômes. On le voit avec la radio, et avec les électro-voice phenomena, les phénomènes de la voix des morts qu'on pourrait peut-être potentiellement entendre dans les ondes radio. La photo spirit, on l'a vu. Et c'est un siècle qui foisonne d'inventions techniques du même genre, jusqu'à la radiographie où on peut voir à travers l'opacité avec les rayons X. Skontz nous donne par exemple un exemple probant, c'est celui du télégraphe et des Sir Fox qui ont inventé le télégraphe spirit, donc juste après l'invention du télégraphe, au milieu du 19e siècle. Les Sir Fox inventent donc des méthodes avec des outils pour faire en sorte que les poltergeists puissent se manifester et communiquer avec les gens qui font ce type de séance en bougeant des lettres sur un alphabet, en tapant. Puisque le poltergeist, hein, l'origine du mot allemand, c'est l'esprit frappeur, hein, c'est le fantôme mais qui peut déplacer des objets, donc une forme de télékinésie. Bon. Monsieur Freeling, nous enregistrerons tout phénomène parapsychologique qui surviendra. Oui, Ryan a pu filmer comme ça une scène extraordinaire dans une affaire à Redlands. C'est vrai. C'est un jouet d'enfant. Vous savez, une petite voiture miniature, elle a parcouru 2 mètres sur le linoléum d'une pièce. La durée de l'événement a été de 7 heures. 7 heures, pour quoi faire? Pour que le véhicule parcourt cette distance. Bien entendu, ça ne s'est pas vu à l'œil nu. Mais en le passant en accéléré, on a vu la voiture bouger. C'est fantastique. Toujours est-il que cette croyance dans le poltergeist s'est énormément répandue au XIXe siècle, notamment après le télégraphe, puisque le télégraphe s'est tapé sur un instrument qui transmet des impulsions électriques et qui sont décodées, un message morse par l'interlocuteur à l'autre bout du réseau électrique. Alors cette idée que, pour reprendre la terminologie spirit, que la télévision peut être un instrument de transcommunication, en fait elle est naturelle. Elle est naturelle à toutes ces techniques, bien avant l'arrivée de la télévision. Au XIXe siècle, énormément de scientifiques étaient spirites, y compris Edison lui-même, un des inventeurs du cinéma, qui a inventé l'ampoule électrique et puis qui a inventé divers dispositifs pré-cinématographiques. Edison lui-même, à la fin de sa vie, a fini sa vie en essayant d'inventer une machine qu'on a appelée a posteriori le nécrophone, a essayé d'inventer une machine pour entendre la voix des morts. Donc on voit bien que c'est, même au sein de la communauté scientifique, des croyances qui étaient énormément répandues. Et ça n'est pas pour rien que c'est au XIXe siècle, parce qu'en fait ça accompagne tout un tas d'inventions dans les champs scientifiques, inventions d'objets techniques et inventions de concepts, notamment la notion de champ. D'abord la notion d'onde, évidemment, et la notion de champ. La notion de champ qui est inventée entre le milieu et la fin du XIXe siècle rompt complètement avec toutes les hypothèses avant alors on se demandait comment qu'est-ce qui nous entoure et qu'est-ce qui peut faire interaction entre des corps qui ne sont pas dans le même endroit et pourtant qui réagissent en même temps. Il y avait une croyance dans la notion d'éther qui serait une substance invisible mais qui est quand même matérielle autour de nous, et on abandonne cette notion au profit d'une notion de champ pour expliquer ces interactions entre des corps éloignés. Donc si, pour résumer très vite, un champ c'est une interaction à distance non instantanée. Et donc l'onde et le champ, finalement, expliquent, fabriquent cet imaginaire paranormal, puisque si une onde peut parcourir l'espace ou un corps, et si un champ peut influer d'un objet, et avec lui l'invention de la notion de rayonnement, d'émission, si des corps peuvent émettre et influer sur d'autres corps à distance, évidemment, vous vous doutez bien que c'est un terreau fertile pour l'imaginaire paranormal qui peut y voir ici soit une preuve même de l'existence des fantômes, soit peut-être une potentialité de manifestation de ces fantômes. Alors, je disais, la vidéo est naturellement entrée dans le champ imaginaire du fantôme parce que, précisément, c'est une technologie de transmission d'images.
Alors, je rappelle rapidement, hein, la vidéo s'est inventée à la fin du 19e siècle, le tube de Crookes, la télévision mécanique d'abord et électronique ensuite. Ça a été inventé pour être une technologie de transmission de l'image et pas du tout une technologie d'enregistrement. La vidéo n'a pas pu s'enregistrer avant les années 50, soit un demi-siècle après son invention. Et donc c'est ce qui en fait une technologie propice à rendre compte de phénomènes paranormaux, puisque en tant que transmission, elle peut être interférée par des champs autres que le signal vidéo. Alors, même son esthétique, c'est-à-dire une image granulaire et très peu définie, reprend au fond la presque non-visibilité d'un fantôme. Et ce que vous voyez ici est une des premières images de télévision mécanique, cette fois-ci par l'ingénieur Baird, qui a réussi cette transmission. Alors vous voyez que le corps qui est retransmis à l'écran est déjà proprement spectral. Ici, nous avons la première retransmission de la BBC, donc en Angleterre jusqu'aux États-Unis. Et vous vous rendez bien compte, à la vue de ces images, que... elles sont déjà fantomatiques, quoi. Here we are. That's a man's face. There it is. There it is. There is the first live television picture across the Atlantic. And now has it disappeared. C'est ce qui se passe donc avec la télévision hertzienne, c'est-à-dire que le signal est transmis par ondes hertziennes dans les airs. Le signal est dépendant à son arrivée de toutes les interférences dont il va être victime dans son voyage. Donc on avait à l'époque de la télévision hertzienne soit des parasites qui apparaissaient comme ici, du bruit, soit d'autres chaînes qui interféraient et qui, quand vous regardiez une chaîne à la télé, vous aviez parfois de temps en temps une autre chaîne, une image interstitielle qui apparaissait comme ça de temps en temps. Où les ondes pouvaient rebondir sur une colline ou l'immeuble d'en face, etc. Donc vous n'étiez jamais assuré d'avoir une image pleine d'une part et parfaite d'autre part, donc vous aviez toujours une visibilité accidentelle et susceptible de disparaître. Alors c'est un peu cette dualité d'apparition-disparition, ce processus dont je parlais tout à l'heure, qui est à l'origine de l'imaginaire développé autour de la vidéo comme étant une technologie propre à manifester des spectres. La question du spectre, de toute façon, interroge elle-même le regard, puisque le spectre, du latin spectrum, le regard, spectacle, ça vient de là, etc. La question du spectre interroge le regard. Qu'est-ce que c'est qu'un spectre ? C'est une non-image. Est-ce qu'on peut appeler ça une perception ? C'est une notion dont la phénoménologie s'est saisie et a interrogé la substance. Donc je vous lis ici une définition, c'est de Elsa Boyer, qui reprend des propos de Derrida et qui nous indique que le spectre n'est ni une icône ni une idole. C'est un stade primaire d'apparition. Le fantôme est un pur corps spatial, le degré d'apparition minimal, qui n'est pas encore apparition de quelque chose. Ce qui nous rappelle ce que disait Françoise Parfait de l'image électronique, de la neige électronique, qui disait que c'était un degré primaire, primitif de l'image. Nous avons encore un autre film de David Lynch, Steinway, qui évoque toutes ces questions, avec un héros qui reçoit des cassettes VHS posées devant sa porte. Alors encore la neige, évidemment, et qui s'aperçoit que sur ces bandes, c'est sa maison qui est filmée. Same thing. What?
alors vous avez pu encore voir que la séquence se finit par une conversation au téléphone, que nous avons eu la neige comme motif récurrent dans ces films, le regard, puisque c'est le regard, le visionnage de la cassette qui provoque cet effroi, et cette image granulaire, spectrale, y compris dans l'angle de prise de vue qui semble flotter en l'air. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore de drone, hein, donc c'est une visibilité qui est non humaine, une image qui est aérienne, comme ça, qui flotte dans l'air. Et le motif du son et du micro aussi, parce que le film commence comme ça. Dick Morant is dead. Véro reçoit un appel sur l'interphone de sa maison et entend Dick Lawrence is dead. Et on se rend compte à la fin du film que c'est lui-même qui est dehors et lui laisse un message. Paradoxe spatio-temporel qui est repris ici dans la scène où l'homme mystérieux se tient face à lui et lui dit « Je suis chez vous en ce moment même, appelez-moi ». I told you I was here. Voilà, et donc ça, c'est la vidéo, quoi, le principe d'être ubique, c'est-à-dire un même signal, une même image de transmise depuis un point, une régie vidéo, peut être transmise à des milliers de kilomètres, à des milliers de postes au même moment, et donc les gens dans différents endroits peuvent recevoir la même image, donc l'instantanéité de l'image vidéo, la multiplicité et l'ubiquité, le don d'être à deux endroits différents. Now you can hand it back. Alors, la question de ne s'arrête pas simplement à le rapport, l'analogie qu'il peut y avoir entre l'image vidéo et l'image spectrale, l'apparition du fantôme, pour penser d'une part une archéologie des médias, une archéologie aussi du regard, de l'éducation du regard, et penser également la mutation du cinéma pellicule argentique analogique à un cinéma électronique, électrique puis numérique. Tous ces films ne font pas que penser seulement à ce passage au numérique, mais utilisent aussi ces questions-là pour interroger les effets que font sur le spectateur ces technologies d'image. Alors, notamment, on l'avait déjà vu dans la précédente causerie à propos de 2001, grâce aux théories de Marshall McLuhan, qui est un grand théoricien des médias, les médias étant des objets techniques qui font passage, hein, entre un émetteur et un récepteur, comme l'alphabet, l'électricité, la télévision évidemment, l'imprimerie. Bon. Et on avait vu avec McLuhan en quoi les médias changeaient les sociétés humaines, le rapport à l'information, les relations entre les gens, puisque le tuyau va forcément faire que les gens vont moins se déplacer au puits, par exemple. L'imprimerie va faire que le savoir va se déplacer d'une transmission orale à une transmission visuelle, et développer aussi donc d'autres interactions déjà entre les gens, et développer un corps différent, puisque j'utiliserai mon corps d'une autre façon selon tel ou tel média que j'utilise. Et toutes ces théories avaient été reprises par David Cronenberg dans Vidéodrome et littéralement mises à l'écran. L'enjeu de notre évolution cérébrale va se dérouler dans l'arène de la vidéo. L'écran de télévision est la rétine de l'œil de l'esprit. C'est pourquoi l'écran de télévision fait partie de la structure physique du cerveau. Et c'est pourquoi tout ce qui apparaît sur l'écran de télévision est vécu par le spectateur comme une expérience primaire. Et c'est pourquoi la télévision est la réalité. Et la réalité est moins que la télévision. Votre réalité est déjà une demi-hallucination de vidéo. Si vous n'êtes pas sur vos gardes, cette hallucination deviendra totale. Vous allez devoir apprendre à vivre dans un nouveau monde étrange. Oui, je crois qu'à dose massive, le signal arrivera finalement à créer une nouvelle excroissance du cerveau humain. Et qu'il y aura une telle maîtrise des hallucinations que cela changera la réalité humaine. Après tout, il n'y a rien de vraiment réel en dehors de notre perception du réel.
C'est ce que vous êtes en train de constater. Voilà, donc ces effets supposés de l'écran de télévision, ils ont depuis été en partie prouvés par différents champs de sciences expérimentales. Un des principaux effets avérés est la modulation du rythme cérébral, c'est-à-dire que devant un écran, mon cerveau n'émet pas la même activité électrique. Et donc induit des états hypnagogiques, voire hypnoïdes, que le théoricien Raymond Bellour évoque déjà en parlant du cinéma, puisque c'est quelque chose qu'on avait en France découvert avec la filmologie dès les années 50. Il y a un changement du rythme cérébral également devant l'écran du cinéma. Et Bellour, dans son ouvrage sur les rapports entre hypnose, corps et cinéma, prend l'exemple, par exemple, ici du docteur Mabuse le joueur de Fritz Lang, où Mabuse est un criminel qui se sert de l'hypnose pour tricher au jeu de cartes. Et donc, comment fait le docteur Mabuse pour hypnotiser son adversaire? Il se sert d'un instrument optique, que sont des lunettes, pour produire une lumière erratique, clignotante, qui va focaliser l'attention d'une part de son adversaire et provoquer cet état hypnoïde que provoque tout clignotement. Et alors, ce que nous indique Bellour, c'est qu'ici, nous avons en fait, au fond, la mise en abîme du dispositif cinéma lui-même. C'est-à-dire que le film, c'est un clignotement de photogrammes qui passent les uns après les autres à une manière telle que vous ne le voyez pas. Mais il y avait, surtout au début du cinéma, avec des appareils mal réglés, du 18 images par seconde, un effet de clignotement qui pouvait provoquer des maux de tête, qu'on appelait la cinéma ophtalmie, un truc comme ça. Enfin, il y avait, de la part de la communauté scientifique, tout un tas d'hypothèses qui pensaient que le cinéma pouvait provoquer des maladies psychiques comme la neurasthénie, etc., à cause de cette intermittence de lumière qui clignotait. Et donc Fritz Lang montre par ce dispositif optique clignotant comment le sujet spectateur en vient à être engourdi, envoûté, dans un état d'hypnose. Alors c'est quelque chose que, ici le documentaire de Peter Antel, Le Tube, nous révèle, c'est quelque chose qui est depuis lors largement étudié, dont, notamment à cause d'un dessin animé au Japon, Pokémon, qui avait provoqué 600 crises d'épilepsie sur des enfants qui regardaient un épisode où le clignotement des images était tel que les sujets à l'épilepsie avaient été touchés. Et donc on a inventé des machines pour mesurer ce clignotement, pour toujours frôler le seuil sans jamais le dépasser. Voici ici ce que nous sommes dans une régie de télévision qui analyse constamment le flux des images. Regarde le pic. Regarde le pic. So to understand well le documentaire va chercher des gens, notamment ce chercheur qui a, dès les années 60, fait des tests sur l'attention. Et montrer qu'il y avait effectivement une modulation du rythme cérébral, c'est-à-dire que le cerveau, quand il regarde un écran de cinéma, de télévision ici, mais aussi de cinéma, comme nous l'avait montré la filmologie en France, donc le cerveau change de rythme et au lieu de l'activité électrique qu'on aperçoit avec une attention éveillée, donc l'activité étant des ondes bêta, ici nous avons des ondes alpha à chaque fois que nous regardons un écran. Donc ce sont des ondes du repos, de la non-attention qu'on retrouve aussi lors de séances de méditation, etc. Et donc, un autre film évoque ceci, c'est Robocop. Comment l'appareillage branché directement sur le cerveau peut retranscrire l'activité du cerveau. Et ici, non seulement l'activité retranscrite, mais vous allez voir également ses pensées. Alors, le Robocop est en train de rêver et nous avons ici des images flashback, donc qui correspondent aux images de son rêve.
qui sont en réalité des images que le spectateur a déjà vues, puisque ce sont les images du meurtre du flic Robocop avant qu'on le transforme en robot. Et donc on revoit ces images, lui revoit en rêve ces images, mais ce sont doublement des images réminiscences, puisque ce sont aussi des réminiscences pour le spectateur lui-même. Et donc ces images flashback sont transmises par, comme par magie, sur les moniteurs, un peu comme à la façon dont le fantôme de Ring pouvait interférer sur une cassette vidéo. Là, ce sont les ondes du cerveau du cyborg en train de rêver qui se transmettent au moniteur vidéo. Autre film qui évoque ce parallèle entre vidéo et état d'hypnose, c'est via la figure du somnambulisme. Nous avons donc Paranormal Activity est un film de found footage, comme on les appelle maintenant, c'est-à-dire on fait croire dans l'histoire, dans la fiction, qu'on a retrouvé des cassettes vidéo, des rushs de façon numérique ou autre, sur des pellicules ou autre, qu'on a retrouvé des images qui ont été prises par accident et qu'on les a remontées pour en faire un film, mais que c'est une histoire vraie. Donc évidemment tout ça est fictionnel, mais ce sont des films qui, donc c'est un genre à part maintenant, qui est né depuis le cinéma numérique et qui, sous divers aspects, donc ici avec une caméra de surveillance et une caméra vidéo, mais la série des Paranormal Activity, puisqu'il y en a 5, étudie toutes les possibilités d'images électroniques et numériques pour capter des phénomènes paranormaux, de la webcam à la GoPro à la Kinect, voilà. Tout un tas de technologies d'images sont utilisées. Knobs you can adjust. Oh my god. I think this camera can see things you cannot see with the naked eye. It happened to me last night. This is the door closing by itself. Alors ici, c'est le premier épisode, c'est l'histoire d'un couple qui se filme. Lui est vidéaste et donc a une caméra, et il pose aussi une caméra qui tourne constamment la nuit pour enregistrer des images, parce qu'il y a des phénomènes inexpliqués dans la maison, et ils veulent en avoir le cœur net. Et donc sur ces images, on se rend compte que la protagoniste est somnambule et reste pendant des heures à fixer son époux. Vous voyez le timecode qui nous indique que les heures passent. Donc en accéléré. Alors elle produit une petite ombre à sa gauche qui évidemment crée un suspense et rappelle cette figure du fantôme. Mais ici c'est plus donc cette torpeur du somnambulisme et à rapprocher de ce que les médias technologiques provoquent comme état hypnoïde qu'on vient de voir. Le mari se lève et va la chercher. Hey. Okay, what are you doing out here? Okay. Hey. Freezing out here. What are you? Alors elle est éblouie par la lumière. C'est un indice. Come on. No, I don't want to go in. Donc on voit que le regard de l'animal est capté par le faisceau. You said before that something enters your body when you watch TV. Oh. What well, is it? Light is coming off TV screens and coming into your body. Encore la figure de la neige. Dans l'histoire, en réalité, c'est un démon qui harcèle le couple et possède l'héroïne. Et donc cette figure de la possession retranscrit l'état de torpeur
somnambulique du spectateur face à l'écran. Et enfin, un dernier film qui nous permet de penser ces effets des médias techniques d'image, Unfriended, qui raconte l'histoire, d'après une histoire vraie, d'une adolescente qui s'est suicidée à cause des réseaux sociaux. Donc l'histoire de jeunes protagonistes qui conversent via le logiciel donc Skype, de conversation, de chat en temps direct. Et donc la particularité de ce film, c'est un écran d'ordinateur qui est présenté aux spectateurs de cinéma. Le film entier est l'écran que la protagoniste, l'héroïne, voit. My name is Vera Madeline. And I'm for spiritual guidance and knowledge. How do you know my name? Vera is very well known to mediums and psychics. Rebecca, back! Grab your laptop and get out of there. You have enough battery. The hallway is empty. Go outside and turn right. There's a service elevator at the end of the hall. I'll send it to your floor. Hurry up. There's no time to lose. There's nobody on that floor right now. We can do this, Nick. Et donc nous avons en direct les actions. Voyez, c'est pas moi là qui touche, c'est le film lui-même. Nous avons en direct les actions de la protagoniste sur son écran, c'est-à-dire qu'elle va rechercher des infos, cliquer sur des liens, etc. Ici, ça nous présente donc directement la vidéo qui est la cause même du suicide, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui était partagée à l'insu de la fille qui va se suicider et qui la montre dans une position pour le moins pas très flatteuse dans une fête orgiaque. Et donc cette vidéo qui va devenir virale va détruire sa réputation et va provoquer son suicide. Donc on voit que cette vidéo et que le site est YouTube et donc que c'est un film qui se veut réaliste, c'est-à-dire que ça utilise des logiciels qui existent, des pratiques qui existent, donc conversation Skype qui s'ouvre en direct, ou c'est son petit ami qui va apparaître à l'écran. Alors évidemment, qui dit corps en direct dit pulsion, image libidinale. Parce que la vidéo, la voyance en direct de la vidéo, c'est le seuil du voyeur. Hein. Donc le film réfléchit sur ces nouveaux usages de l'image qui est devenue non pas une image mémoire comme auparavant. L'image était utilisée principalement pendant des siècles comme vecteur de mémoire. Ici, l'image est devenue, a acquis un autre statut et une autre fonction. L'image est une technologie conversationnelle. Elle n'est plus utilisée pour produire de la trace. Tout ce qui se passe ici en termes d'image ne sera pas conservé, n'est là que pour produire de la visibilité. Et donc, n'a pas. C'est l'antithèse de la trace, au fond. What are you talking about? I totally missed it. Et ici, nous suivons la conversation entre la protagoniste principale et son petit ami sous forme de message texte. Et donc, nous voyons que, en fait, cette image-là n'est plus vraiment une image, mais une agrégation de différents médias, de textes, donc des SMS, des légendes, des titres, des mails, des messages privés, comme ici, et un mélange d'images, de screenshots, de photos, de selfies, de vidéos, d'icônes. Donc il y a une technologie multimédia qui induit une conversation multimédia utilisant à la fois les ressources sémantiques, textuelles, etc. Le film présente une narration en temps réel, en temps direct, mais qui est aussi entrecoupé, vous voyez ici. Alors, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que d'un coup, tous les protagonistes sont en conversation en temps direct sur Skype, et puis d'un coup apparaissent des vidéos, la vidéo à l'origine du suicide, etc., apparaissent des multi-fenêtres de façon impromptue et mystérieuse. Et donc on se rend vite compte en fait que ce qu'on pense être au début être l'action d'un hacker qui provoque tous ces phénomènes est en réalité l'action d'un fantôme qui a pris possession des rouages algorithmiques et virtuels de la conversation Skype et qui a le contrôle
sur les transmissions. Alors, c'est donc une conversation, je le disais, en temps direct, mais qui est entrecoupée de mémoires délinéarisées. C'est-à-dire que apparaissent des vidéos de YouTube, d'autres vidéos dans un Facebook, des messages auparavant préalablement enregistrés sur des réseaux sociaux, etc. Donc la conversation, ce qui est présenté, ce qui est un film en temps direct, est aussi un film qui mélange des temps. Et donc ça permet de réfléchir à ces nouveaux médias et à le rapport entre ces médias et le temps, qui est à la fois qui est un temps mêlé, à la fois de présence, de présent et de temps passé. Pendant la conversation, l'image est figée. She had the sickness that causes seizures. Maybe she just had a freaking seizure. Interesting in studying how children pay attention. I thought that when they watch TV. Tous les protagonistes vont petit à petit être tués par le fantôme. Ken ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau type de suspense propre aux écritures du numérique, c'est-à-dire qu'on utilise le fait que l'ordinateur buffery, c'est-à-dire charge en mémoire éphémère le contenu vidéo qui est en train d'être transmis, et que le temps que tout ça se charge, on a des noirs à l'écran, ce qui crée un effet de suspense, évidemment. On a une utilisation aussi d'une lumière blafarde, blanche, propre à l'éclairage, au rétroéclairage LED de l'écran. Et on a aussi une utilisation typiquement de l'image, ce que peut produire l'image numérique en termes de plasticité, c'est-à-dire qu'auparavant on avait vu les déformations analogiques électroniques de l'image vidéo, et désormais nous avons un autre type de déformation, d'altération de l'image qui est possible, c'est le glitch, donc le dysfonctionnement de l'image, qui est un des paquets d'informations qui arrivent parfois de façon désordonnée, en retard ou à demi, enfin il y a tout un tas de façons de produire du glitch, et qui sont utilisés ici de manière plastique, évidemment, pour produire une image encore plus, d'une part, réaliste, et d'autre part, qui préfigure, en détériorant le visage et la peau même des protagonistes, préfigure leur mort imminente. Et c'est une façon aussi pour le cinéaste d'interroger la chair, le corps de l'image numérique qu'on a vu tout à l'heure, qui est une poussière, qui est de l'ordre de la pulvérulence. C'est une manière de réinjecter du corps et de la chair dans une image qui est totalement virtuelle. They never caught him, Joey. They never believed me how he was everywhere. How he could be at two places at once. Alors, ce qui est intéressant en termes de mise en scène, c'est que nous avons une multiplication des cadres à l'intérieur du cadre et que le spectateur recrée son propre montage puisqu'il regarde à la fois certains protagonistes ou des parties, donc des fenêtres enchâssées, hein, c'est le principe d'un écran d'ordinateur, et donc peut regarder aussi bien une action qui se déroule dans un cadre et une autre action qui se déroule dans un autre cadre. La mise en abyme est évidente puisque c'est l'écran du film, c'est non plus l'écran qui présente le film, mais c'est le film qui présente l'écran, qui différencie les expériences spectatorielles puisque ça prend des dimensions différentes si on le voit au cinéma où l'œil va pouvoir parcourir un cadre et un autre cadre dans ses fenêtres enchâssées, va pouvoir donc reproduire un montage. Et sur haute dimension spectatorielle, quand le spectateur sera cette fois-ci devant son écran d'ordinateur en train de regarder son film, cette expérience est redoublée par le fait qu'à l'intérieur de son écran, le spectateur voit un autre écran et des souris se balader, etc. Le film ne se contente pas d'être un film. On a sur le net des extraits de films, dont les séquences que vous avez vues, hein, de la fête, du suicide, tout ça, sont des vidéos qui sont sur YouTube, sans que la mention du film Unfriended apparaisse.
Donc elles sont posées comme ça, anonymement sur YouTube. Donc le kidam moyen qui tombe dessus pense que c'est une vidéo tout à fait réaliste d'une orgie filmée au smartphone, voilà. Et puis il y a aussi un Facebook de Laura Barnes, donc la fille qui s'est suicidée. Il y a un Facebook RIP, Laura Barnes. Et sur son, donc sur son réseau et sa page, nous avons un diaporama. Comme n'importe qui le ferait pour un ami décédé. Donc ici, voilà, voici sur un faux Facebook qui aurait été manipulé par le fantôme. Voilà ce qu'on peut trouver comme différents médias sur Internet qui étendent le film à ce que j'appellerais un métafilm. Puisqu'ici, on n'est pas dans du transmédia comme Matrix qui crée un jeu vidéo. Ça, c'était le théoricien Henry Jenkins qui avait imaginé la notion de transmédia pour décrire ces plateformes, cet univers qui s'étend, fictionnel qui s'étend d'un film à un jeu vidéo, à une BD, etc. On n'est pas du tout dans du transmédia. Je dirais que c'est du métamédia puisque on est dans un film dont il a un corps qui est celui que vous allez voir au cinéma, mais dont le corps se désagrège en plusieurs parties disparates sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et donc qui contribue et continue l'expérience filmique. Ça, c'est une vidéo donc, que j'ai tirée de YouTube. Et donc ça nous montre l'infiltration du virtuel dans le réel. C'est ça ce qui est intéressant dans ce film. C'est-à-dire que le fantôme, c'est-à-dire le cinéma numérique, ne se contente pas d'investir le champ du virtuel, mais aussi peut interférer avec le champ réel. Pour le dire vite, les usages des nouvelles technologies d'image ne se contentent pas d'être dans un espace restreint virtuel, bien encadré dans un ordinateur et protégé, mais le virtuel infiltre le réel. Et ce que nous montre Friended, c'est que c'est possible dans un sens, cette porosité qu'il y a, donc l'écran devient une membrane, hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, l'écran montre le film et le film à l'intérieur montre un écran, donc l'écran de cinéma finalement devient une membrane très poreuse entre d'une part le réel et le spectateur et d'autre part le film, puisque le spectateur regarde un écran et en revers, le protagoniste regarde le spectateur. Donc il y a eu une porosité de cette image qui passe d'un côté et de l'autre d'une dimension virtuelle à celle réelle. Et ce que nous montrent ces vidéos sur YouTube ou sur Facebook, ce qu'elles nous montrent, c'est que le virtuel infiltre. Parce qu'en provoquant des pratiques concrètes, hein, les gens se servent réellement des images et des réseaux Internet pour communiquer. Et donc, il y a une action concrète du virtuel sur le réel. Ce n'est pas que à l'intérieur d'un écran protégé. Donc, il y a une infiltration, une contamination du virtuel sur le réel, un peu à la façon d'une fumée ou d'un fantôme qui se dissiperait dans une pièce et donc dont on ne peut pas contenir en fait l'effet, puisqu'une fumée étant immatérielle, elle se répand à l'intérieur de la pièce. Tous ces films qui reprennent d'une part la figure du fantôme et d'autre part mettent en abîme le cinéma et la vidéo, tous ces films finalement nous permettent de penser déjà l'expérience de regard qu'est l'expérience spectrale du cinéma et la nature spectrale de l'image vidéo et nous permettent de penser l'interaction et l'imaginaire qui va autour de ces médias techniques puisque du téléphone à la vidéo ce sont des technologies qui permettent d'entrer en contact et donc font des effets de présence
et donc font de nous, au quotidien, des fantômes. Là, je reprends Yves Citon, qui est un philosophe théoricien de la littérature, dans la revue Multitude consacrée aux médias, intitulée « Envoûtement médiatique », qui nous dit que nous manquons d'imagination pour penser ces effets-là. L'urbain médiatique dans lequel nous sommes immergés structure nos manières de parler, de penser, de vivre, de sentir. Et pourtant nos façons de le concevoir et de l'imaginer sont terriblement inadaptées à sa réalité. Parce qu'il nous dit que, au-delà des informations que transmettent ces technologies, il y a quelque chose de plus puissant dans l'expérience de ces technologies qu'on ne peut pas penser seulement par la figure de la réception, l'émission et par le concept d'information. Il propose de penser ces rapports-là que nous entretenons avec les écrans et les technologies conversationnelles et les technologies d'image sur le mode de la communion et de l'envoûtement. L'immersion communiante induite par nos dispositifs médiatiques relève davantage du médiumisme que de la communication. Elle nous envoûte davantage qu'elle ne nous informe. Qui utilisent la figure du fantôme permettent de penser les effets, d'une part, que font ces médias techniques sur le corps social et le corps biologique du spectateur, et nous permettent de penser quel regard cela fabrique. Finalement, il faut aussi concevoir ces films-là comme des documentaires. On a pu voir que ces films-là reprennent des réalités, des usages sociaux et les pensent. Et donc, ces films-là, à travers un imaginaire paranormal, nous permettent de penser ce que font les médias techniques de transmission d'images. Video has become the main way that we experience content. Screens just can't convey the full range of human expression and connection. They can't deliver that deep feeling of presence. Now, lots of things that are physical today, like screens, will just be able to be holograms in the future. First, the feeling of presence. Just a fundamentally different experience from staring at a screen. This quality of being physically embodied, you're going to really feel like you're there with other people. Beyond the constraints of screens, beyond the limits of distance and physics, beyond the limits of distance and physics. Et je pense donc que ces films, en explorant un imaginaire propre à l'apparition du fantôme, à l'envoûtement et à la figure de la possession, ces films-là rendent compte, ou au moins nous permettent de penser, ces nouveaux types d'images.